Kamel Ben Salah, bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Vous êtes fondateur de Sport Design, une entreprise basée à Saint-Priest, spécialisée dans la commercialisation de produits pour vélo. Vous allez nous expliquer ça. Et vous êtes également lauréat du prix Émergence du concours Lyon-Ville de l'entrepreneuriat 2013. Alors, cette entreprise a été lancée l'an dernier. Quel était le contexte? Quelles étaient vos motivations? En fait, c'est une entreprise qui est créée en fin 2013. Le site, c'est un site web qui permet de vendre des produits qui tournent autour du vélo, c'est un fixie. Et l'originalité, c'est des produits de couleur, ces produits qui permettent de personnaliser les vélos eux-mêmes. Donc ça, c'est un produit très, très demandé en ce moment. Voilà, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme bagage, vous étiez un grand passionné aussi. Exactement. Donc ça vous a aidé effectivement à lancer cette entreprise dans ce domaine. Alors à quelle porte est-ce que vous avez tapé pour pouvoir vous accompagner, pour pouvoir être aidé durant le processus de création? En fait, le processus, ça ne date pas d'aujourd'hui. En fait, l'idée m'est venue il y a à peu près 10 ans. J'étais installé aux États-Unis, en fait, je n'étais pas ici. Et je voyais ce type de vélo là-bas. Donc elle est restée. J'ai travaillé ici en tant que commercial dans d'autres entreprises. Jusqu'au jour où, voilà, c'était l'année dernière, voilà, je me suis dit, c'est le moment. Et je me suis lancé. Qu'est-ce qui a fait le déclic? Qu'est-ce qui a aidé à... Peut-être la situation familiale, c'était plus posé. Voilà, donc c'est ça qui m'a aidé, que le fait que je me lance sur l'idée. J'étais au fond de moi-même, j'aime bien l'idée d'entreprendre. J'aime bien prendre le risque, j'aime bien le challenge, j'aime bien un peu de stress qui me pousse. Donc, vous n'avez pas chômé depuis, vous avez déjà lancé déjà quelques projets. On va parler du concept Fixie Design. Quelle est l'ambition de cette initiative au sein de Sport Design? En fait, l'idée, c'est l'entreprise, elle s'appelle Sport Design, le site, il s'appelle Fixie. C'est les projets à moyen et long terme, c'est d'étendre sur d'autres produits et faire la même chose à peu près, c'est la personnalisation. Faire des couleurs, faire des choses qui correspondent aux personnes. Aujourd'hui, on voit ça aussi au niveau des véhicules, par exemple Citroën ou d'autres marques. La Fiat 500 aussi, elle se met avec des couleurs qui correspondent à chacun de nous. Donc voilà. Donc pourquoi pas le vélo? Et en plus, c'est un produit vert qui ne pollue pas. C'est développement doux, effectivement, voilà. En pleine tendance. Exactement. Et en plus, il est très, très, très léger. En fait, en moyenne, il pèse 10 kilos. Donc c'est deux sacs de course. Effectivement. Alors, en décembre dernier, vous avez remporté le prix Émergence de LVE, l'édition 2013. Un mot sur cette reconnaissance et peut-être ce que vous a permis le prix? En fait, le prix, c'est une reconnaissance régionale, on va dire. C'est bien de sentir qu'on est soutenu par la région, tout acteur confondu. On était soutenu par l'ASPI de Saint-Priest, qui fait partie de la CCI, la CCI aussi de Lyon. Il y a le RDI qui a financé une partie du projet. Donc, tous ces partenaires, il y a la banque aussi qui nous a permis d'avoir un crédit. D'avoir la reconnaissance de ces acteurs. Voilà. Donc, on a reçu. Il y a deux choses, en fait. C'est la communication qui a fait que j'ai participé à ce concours. La deuxième chose, d'avoir un prix qui, une partie, finance au moins la communication sur ma société. Comment est-ce que vous voyez Sport Design d'ici quelques années? D'autres idées à faire venir des États-Unis peut-être? Non, pourquoi? Non, c'est pas forcément que des idées viennent des États-Unis. Moi, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de projets. J'ai compris qu'il faut le temps, mais à moyen et long terme, j'ai des idées de développer Fixie Design elle-même. Et pourquoi pas créer une marque française de Fixie? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment une marque française de Fixie. Tous les produits viennent de l'étranger. Et éventuellement, avoir en fait, les idées, j'ai énormément dans ma tête. Et ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Bonne continuation à Sport Design. Merci, Kamel Ben Salah, d'être venu nous voir. Merci à vous.